Très forte victoire du oui au référendum sur l'indépendance du Kurdistan irakien avec 92,73% des suffrages exprimés selon la haute commission des élections. 3,3 millions de personnes ont participé au scrutin. Bagdad demande l'annulation du résultat du vote. Le gouvernement irakien le juge bien sûr anticonstitutionnel. De la musique et des danses pour célébrer les résultats à Souleymaniye. À la question, voulez-vous que la région autonome du Kurdistan et les territoires du Kurdistan situés en dehors de cette région deviennent un État indépendant ? 72% des électeurs se sont déplacés pour répondre oui à une majorité écrasante. Sur 3 305 925 votants, le oui a obtenu 92,73% et le non 7,27%. Des résultats que le Premier ministre irakien avait rejetés avant même leur annonce officielle. Tant que les Kurdes restent partenaires dans la gouvernance de l'Irak, nous restons partenaires dans le Kurdistan. L'équation doit fonctionner de cette manière, mais s'ils décident d'intervenir dans les affaires de tout l'Irak et imposer une taxe aux habitants arabes qui résident au Kurdistan, je ne peux pas l'accepter. Haider al-Abadi s'exprimait devant les députés qui ont autorisé son gouvernement à déployer des troupes à Kirkouk et dans d'autres territoires contrôlés par les Kurdes mais situés en dehors de la région autonome. Il assurait le Parlement qu'il imposerait l'autorité de Bagdad partout dans le pays sans avoir recours à la force, même si des exercices militaires conjoints avec la Turquie ont lieu le long de la frontière depuis mardi. La Turquie, comme d'autres pays voisins de l'Irak, a menacé de prendre des sanctions contre la région autonome kurde. Les importantes minorités kurdes qui vivent à cheval sur plusieurs frontières dans la région ne pourront rester insensibles à la possibilité d'un État unique.